son nom. Son nom. El Shaddai, son nom. Thank you, Jesus. El Shaddai, son nom. El Shaddai, son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier. Pendant les combats, El Shaddai est son nom. Puissant guerrier, pendant les combats, El Shaddai est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Shalom, Maël James, gracias, bienvenue, que le Seigneur te comble. Nous disons puissant guerrier, fort dans les combats. Emmanuel est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Emmanuel est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Emmanuel est son nom. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Jéhovah. C'est toi le Dieu d'amour. Alléluia. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous les étudiants. Je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous lui rendons grâce et nous lui disons merci pour son amour, sa fidélité et ses bontés dans chacune de nos vies. Donc c'est un privilège, c'est un honneur, c'est une grâce de s'asseoir au pied du Maître dans l'optique de pouvoir être enseigné par lui. Donc toi qui es connecté ce soir, tu as choisi la bonne part qui ne te sera point ôtée. Amen. Donc nous disons merci à Dieu pour la journée, merci pour sa protection, merci pour son amour, merci pour sa fidélité. Nous allons continuer ce soir avec notre leçon sur la pneumatologie. Hier, nous nous sommes arrêtés sur comment recevoir le baptême du Saint-Esprit en grand B. Et nous voulons continuer ce soir. Mais nous allons au préalable prier dans le but de confier ces instants entre les mains de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons prier afin qu'il nous conduise, qu'il nous parle, qu'il dispose nos cœurs et qu'il fertilise nos cœurs pour que la parole qui va sortir ce soir puisse germer et porter du fruit en abondance dans ta vie. Amen. Nous prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, sois célébré, sois magnifié. Sois exalté et sois béni car ta fidélité est grande. Et ton amour est sans pareil. Nous te disons merci pour ce jour, pour ton amour, ta fidélité, ta protection. Seigneur, tes multiples bontés, renouvelables et renouvelées dans nos vies. Seigneur, je te dis merci pour ce soir. Reçois l'honneur, reçois l'exaltation, reçois l'adoration. Pour cette grâce que tu nous donnes, de pouvoir apprendre, de pouvoir être instruit, de pouvoir être enseigné dans tes voies.
Je prie afin que tu prennes le contrôle, que tu nous conduises, que tu nous parles, que tu nous enseignes et que tu glorifies ton saint nom ce soir au nom de Jésus-Christ. Je prie afin que tu disposes, Seigneur, les cœurs de tes enfants afin qu'ils puissent recevoir de toi en cette soirée au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de m'utiliser comme un vase, comme un instrument entre tes mains, dans le but d'atteindre tes buts et tes desseins au milieu de nous en ce soir, au nom souverain et glorieux de Jésus. Sois béni, sois exalté, sois magnifié. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Bonsoir Viviane et Yimi, bonsoir Tchap Tchap, bonsoir tout le monde. Ok, je vous prie de bien vouloir taguer vos camarades qui ne sont pas encore là ou qui sont en train de voir le match des Lions. Il faut les taguer. Taguer vos camarades, Nathalie, Patricia, bref, tout ce que tout cela dont vous avez son habitude de voir parmi nous. Amen. Nous voulons continuer ce soir avec notre cours sur la pneumatologie. Donc, nous avons introduit le grand billet. Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que tous ceux qui sont connectés peuvent me donner un bon amen? Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? Nous avons premièrement dit qu'il faut être né de nouveau. C'est la condition sine qua non. Il faut être né de nouveau. La deuxième chose, c'est que tu dois savoir que c'est une promesse et un don de Dieu. Troisièmement, tu dois avoir la conviction que c'est scripturaire. Amen. Nous allons continuer. Amen. Quatrième tiret. J'espère que le groupe Cité de Refuge est informé qu'on a commencé. Quatrième tiret. Avoir la soif. Avoir la soif. Ésaïe 55. Jean 7, 37. Ésaïe 55. Ésaïe 55, verset 1. Il est écrit: vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Amen. Jean chapitre 7, verset 37. Jean 7, verset 37. Je lis Jean chapitre 7, verset 37. Il est écrit: le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, Jésus nous fait comprendre ici que pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit, il faut avoir la soif. La soif est la clé de l'onction. Toute onction véritable commence au niveau de la soif. C'est ton degré de soif, c'est ton niveau de soif qui détermine ton niveau d'onction ou ta dimension dans l'esprit. Dans l'oreille spirituelle ou dans notre relation avec Dieu, nous recevons de Dieu ce à quoi nous aspirons. Ça veut dire que si je veux recevoir une grâce particulière venant de Dieu, je dois avoir la soif. Je dois être un assoiffé. Je dois soupirer après la présence, après le baptême du Saint-Esprit. La Bible dit, c'est David qui parle, il dit,
Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Mon âme a soif de toi. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Mon âme a soif de toi. La soif d'être baptisé, la soif de prophétiser, la soif d'être utilisé par Dieu, la soif d'être une grande chantre, la soif d'opérer dans les miracles, les guérisons, les signes et les prodiges. Tout commence par la soif. Amen. La cinquième clé pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est avoir un cœur pur. Avoir un cœur pur. Avoir un cœur pur. On va un peu beaucoup écrire aujourd'hui. Actes chapitre 2, 38 à 39. Avoir un cœur pur. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc il faut avoir un cœur pur. Tu dois être disponible à être visité par Dieu. Nous n'attendons pas l'accomplissement des promesses de Dieu dans le péché. Nous n'attendons pas l'accomplissement des promesses de Dieu dans la débauche. Nous n'attendons pas l'accomplissement des promesses de Dieu dans l'immoralité ou encore dans l'iniquité. Amen. Donc, il faut avoir un cœur pur. Actes chapitre 19. Actes chapitre 19, versets 1 à 2, je lis. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Paul est arrivé où? À Éphèse. Et a rencontré quelques disciples. Il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Amen. Il lui répondit, « Nous n'avons même pas entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisé ?» Il répondit, « Du baptême de Jean. » Alors, Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. » C'est-à-dire que le Saint-Esprit a rencontré des vases qui étaient purs. Ils étaient des disciples. Ils étaient nés de nouveau. Ils avaient un cœur pur. Ils menaient une vie de justice et de pureté. Donc, David dit, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » La plupart des personnes parfois s'attardent parce qu'il y a l'iniquité dans vos cœurs. Il y a la colère, il y a la rancune, il y a l'amertume, il y a la débauche, il y a l'immoralité. Et lorsque tu mènes une vie qui ne glorifie pas le Seigneur, tu ne peux pas être revêtu du Saint-Esprit. Amen. Prochain tiret, c'est la prière fervente. Maître baptisé du Saint-Esprit, par la prière fervente. La prière fervente. On peut prendre un exemple, les disciples dans la chambre haute. Les disciples dans la chambre haute, Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, je vais lire pour toi. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit
et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Donc les disciples sont restés dans la chambre haute, ils étaient dans la présence de Dieu, ils persévéraient dans la prière, et c'est à partir de cet instant que l'Esprit de Dieu est également descendu. Est-ce que vous savez, lorsque nous lisons dans Luc chapitre 3, même Jésus a prié pour que l'Esprit de Dieu descende sur lui, pour que l'Esprit s'ouvre. Luc chapitre 3, nous allons lire. Luc chapitre 3, après son baptême, Jésus a prié. Amen. Luc chapitre 3, verset 21 à 22. Écoutez-moi. Écoutez attentivement. Luc chapitre 3, 21 à 22. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Est-ce que vous écoutez ça? Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sur une forme corporelle comme une colombe. Si Jésus-Christ, qui est fils de Dieu, qui est descendu du ciel, a prié pour que le ciel s'ouvre afin que le Saint-Esprit descende sur lui, mon frère, ma soeur, tu as également besoin de prier afin que le Saint-Esprit descende sur toi. Tu as besoin de prier afin que les cieux s'ouvrent également. Si Jésus-Christ a prié pour que les cieux s'ouvrent et que l'Esprit de Dieu descende sur lui, il y a une nécessité pour toi de t'enfermer. Tu peux t'enfermer pendant 24 heures, tu peux t'enfermer pendant 48 heures, tu peux t'enfermer pendant 72 heures, ça dépend de la soif que tu as dans ton cœur. Tu peux décider de t'enfermer pour 7 jours et le premier jour de cette visite. Tu peux décider de t'enfermer pour 2 jours, mais tu te retrouves en train de prolonger ton intimité avec le Seigneur. Et lorsque nous décidons de prier de la sorte, ce ne sont pas de simples prières, ce sont des prières ferventes, ce sont des prières agonisantes, où nous arrêtons de nous disons à Dieu, Seigneur, soit tu me visites, soit tu me visites aujourd'hui. C'est le genre de prière que Jacob pouvait faire à Dieu. Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'as pas béni. Donc tu prends Dieu en otage dans ta chambre, tu prends Dieu en otage dans la montagne, tu dis, Seigneur, je ne descends pas de cette montagne si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, si je ne parle pas en langue. Tu dis, Seigneur, je ne sors pas de cette chambre si tu ne me rencontres pas ce week-end, si tu ne me rencontres pas cette semaine. C'est une promesse que Dieu t'a faite. Et pour accéder à cette promesse, il faut avoir la soif. Et lorsque tu as la soif, tu entres dans la présence de Dieu et tu fais ce qu'on appelle la prière fervente. Amen. Prochain tiret. Recevoir et parler par la foi. Amen. Ça dit qu'il faut avoir la foi. La Bible dit que ce n'est pas la foi et la persévérance que nos pères ont obtenu des promesses. Donc il faut avoir la foi. Si tu pries pour une chose sans avoir la foi, tu ne vas jamais recevoir la chose. Maintenant, ce qui se passe avec certains enfants de Dieu, c'est quoi? C'est que on a mécanisé Dieu. On définit parfois la façon dont Dieu doit opérer. Ça se passe comment? Pourquoi est-ce que je le dis? Nous avons eu à rencontrer des cas pour lesquels nous sommes en train de prier. Et pendant que nous prions, nous sommes peut-être 10. 8 personnes sont baptisées du Saint-Esprit et 2 autres sont là. Rien ne s'est produit, rien ne s'est passé. Mais qu'est-ce qui se passe généralement? C'est que plusieurs se disent que non. Pour que je commence à parler en langue, il faut d'abord que le feu descende sur moi. Il faut que je m'enroule à même le sol. Il faut que je fasse ceci. Il faut que je fasse ceci. Est-ce que c'est comme ça que ça vient? On veut comprendre les choses de l'esprit avec notre pensée, avec notre intelligence. Nous voulons comprendre comment est-ce que Dieu opère par notre intelligence. Ce n'est pas possible, frère.
Donc, arrêtons parfois de limiter l'action de Dieu lorsque il s'agit du baptême du Saint-Esprit, lorsqu'il s'agit même des miracles. Donc, ce qui se passe, parfois, on se dit que non, un peu comme ce que Naaman pouvait dire. Je crois que quand je suis venu voir le prophète, il allait invoquer son Dieu, il allait m'imposer les mains où j'ai mal, et j'allais recevoir ma guérison, ainsi de suite. Non, il ne s'agit pas de ça. Tu peux être là pendant que tu dis, Seigneur, touche-moi. La langue est déjà présente. Et ce qui se passe avec ce genre de personnes, parfois, vous avez des rêves, où vous vous retrouvez en train de prier en langue dans les rêves. Mais physiquement, ce n'est pas trop ça. Le Seigneur est en train de vous montrer que la chose est déjà là. Mais vous avez peur de vous exprimer. Vous avez peur de parler. Ceux qui sont déjà baptisés du Saint-Esprit et qui parlent en langue, vous allez vous rendre compte que les premiers jours, ou la première fois et les premiers jours où vous avez commencé à parler en langue, il y avait, c'est comme si... C'est comme si tu imitais une personne. Tu as l'impression que parfois ce n'est pas vrai. Donc tu te poses tellement de questions. Est-ce que je ne suis pas en train d'imiter? Est-ce que c'est même vrai? Est-ce que c'est même ça qui est en train de se produire? C'est ce que plusieurs chrétiens ont expérimenté les premiers jours. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et ce sont les blocages maintenant que beaucoup de chrétiens s'imposent à eux-mêmes. On se dit que non, parfois il faut d'abord être saisi par l'Esprit pour commencer à parler. Il faut d'abord que, pendant que je suis en train de prier, que je ressente une présence. Puis après je commence, puis ça s'arrête. Non, ce n'est pas de ça que les questions. Lorsque ça arrive, le Saint-Esprit met les paroles dans ta bouche. Par la foi, tu ouvres la bouche et les syllabes commencent à sortir. Libre chatamant, tu décides de parler en langue de toi-même. Tu n'as pas besoin qu'une force vienne te saisir à tout moment pour que tu parles en langue pendant 5 minutes, 2 minutes et ça s'arrête. Non. Au début, tu auras l'impression que c'est ta chair. Tu auras l'impression que non, je suis en train de faire la chose de moi-même. Mais ce n'est pas le cas. C'est simplement l'ennemi qui est en train de mettre des pensées dans le cœur et l'esprit des gens. Et il faut faire très, très, très attention. Donc, lorsque parfois même je dis « reçois le Saint-Esprit », il y a des directs où des gens étaient baptisés du Saint-Esprit. Lorsque je dis, je dis « reçois le Saint-Esprit dans ta bouche », et que tu commences à sentir comment ta bouche fait jaillir, ta langue fait jaillir, ouvre ta bouche, que ta langue soit dédiée, tu commences à parler. Parfois, c'est lorsque tu es en train de prier dans ton intimité avec Dieu, tu ressens comme une force qui vient sur toi, où tu as envie de parler, mais tu te dis que, est-ce que l'autre ici, là, c'est même le bon? Est-ce que je ne suis pas en train d'imiter? Non. Pourquoi? Donc, c'est comme ça que ça se passe. Tu as l'impression qu'il n'y a pas d'effet véritable. Non, c'est la chose qui a déjà commencé. Amen. C'est la chose qui a déjà commencé. Gloire à Dieu. Donc, je parle à la question des païos. Question, s'il te plaît, si tu prévois 3 jours dans sa présence et que tu es visité le premier jour, est-ce que tu peux décider de ne pas finir le reste des jours? Non. Bref, ça dépend de toi chacun. Mais si je décide de prendre 3 jours dans la présence de Dieu et que le Seigneur me réponde le premier jour, j'arrête le programme. Mon agenda n'est pas l'agenda de Dieu. La Bible dit qu'il y a plusieurs projets dans le cœur de l'homme, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Toi, tu peux dire que je vais faire 1 mois, mais lorsque tu n'as pas fait 3 jours, Dieu a déjà traité ce qui t'a amené dans sa présence. Maintenant, tu peux continuer soit à adorer Dieu ou à faire autre chose, mais tu peux arrêter ton programme lorsque Dieu t'a exaucé dès le premier jour. Voici ce qui se passe vraiment avec les pentecôtistes. Notre Père du Saint-Esprit a souvent tendance à prolonger nos cultes. Notre Père du Saint-Esprit a tendance à prolonger nos instants de prière, ainsi de suite. Mais c'est difficile de voir dans des assemblées comment le Saint-Esprit a également raccourci le culte. C'est difficile. Parfois on dit, ok, notre rencontre est finie à 20h. Jusqu'à 21h, 22h, nous sommes là. Oh, on est en train de prier, c'est une bonne chose. Voilà, le Saint-Esprit nous a conduits. Mais est-ce que parfois aussi, on ne peut pas décider de finir un culte à 13h et on se retrouve plutôt en train de finir à 11h45 ou alors à 12h? Est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas nous amener également à finir tôt
à glorifier Dieu tôt. Parfois, même lorsque l'Esprit de Dieu a fini d'agir dans nos cultes, comme on a dit que c'est à 12 heures que le culte doit finir, on fait tout et pour tout pour que 12 heures arrivent afin qu'on se sépare. Non, si l'Esprit de Dieu a œuvré et qu'il a décidé d'arrêter à 11h30, arrêtons à 11h30. Parfois, ce qu'on fait, c'est qu'on commence à improviser les louanges, on commence à faire le parce qu'il faut absolument qu'on atteigne 12 heures. Ce qui fait que nous sommes en train de faire les choses selon la chair. L'Esprit de Dieu a fait ce qu'il voulait faire, il a fait ce qu'il devait faire et parfois, bref, nous continuons maintenant avec nos émotions, ainsi de suite. Amen. Donc, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Lorsque ça vient, tu commences à parler. Tu commences à parler. Maintenant, il y a un problème. Il y a des chrétiens qui attendent. Tu as été, lorsque tu as déjà reçu le baptême du Saint-Esprit, tu n'as pas besoin d'être baptisé du Saint-Esprit plusieurs fois. Lorsque tu as été baptisé du Saint-Esprit une fois, et que les signes tels que le parler en langue se sont manifestés, ce qui a lieu de faire dorénavant, c'est d'ouvrir la bouche et parler en langue de toi-même. Tu n'as plus besoin d'attendre encore que, je ne sais pas, qu'une présence descende sur toi pour commencer à parler en langue. Non. Si tu as été baptisé du Saint-Esprit, tu as parlé en langue ce jour, le reste des jours, pour le reste des temps, tu n'as plus besoin qu'une force vienne te secouer, te saisir. Non. Tu peux tenter de prier avec l'intelligence. À un certain moment, tu décides de prier maintenant en langue. Ou alors, tu décides de passer une heure dans la présence de Dieu en priant uniquement en langue. Et c'est pour cela que plusieurs chrétiens ne grandissent pas. Pourquoi? Parce qu'on attend toujours d'être saisi par le Saint-Esprit. On attend on attend peut-être, si on a parlé en langue aujourd'hui, ce n'est qu'après deux semaines ou après un mois que l'Esprit va venir nous saisir. On parle encore quelques minutes, puis il revient encore. Non, ce n'est pas comme ça. C'est une erreur grave. Amen. Amen. Ok, prochain tiret, par l'imposition des mains. L'imposition des mains. Acte 8, 17, acte 19, 6. Daddy, lorsqu'on demande à Dieu quelque chose et on rêve toujours pareil, mais dans des contextes différents, que doit-on comprendre par là? Lorsqu'on demande à Dieu et on rêve toujours pareil, rêver pareil comment? Explique un peu. Mais dans des contextes différents, explique un peu, s'il te plaît. Et si tu voulais faire un temps dans sa présence et que par un songe, il parle avant le programme, tu ne dois plus faire le programme. Tu dois comprendre que c'est... quand tu voulais prendre un programme pour quelque chose, même que Dieu te parle par rapport à quelque chose, et qu'avant même que tu ne prennes le programme, Dieu t'a déjà parlé, tu dois comprendre que le programme que tu voulais prendre n'était pas dans sa volonté. Donc, tu dois plutôt chercher maintenant la volonté de Dieu. Tu dois plutôt chercher sa volonté. Amen. Parfois, il y a des programmes que nous prenons, machin et tout. Ce n'est pas la volonté. Je vous dis, parfois, ce n'est pas ce que Dieu attend de toi à l'instant T. Parfois, ce n'est pas là où Dieu t'attend actuellement. Dieu t'attend peut-être à l'évangélisation, mais toi, tu dis que tu vas aller prendre un programme. Ce qui fait que Dieu te parle à l'avance pour te montrer que je t'attends cette semaine plutôt à faire telle ou telle chose. Et ça, c'est déjà... je ne sais pas comment c'est plus facile en anglais, spiritual guidance. Donc c'est la direction spirituelle. Tu es en train de marcher avec la direction divine. Tu es déjà en train de marcher avec la direction divine et c'est une grâce. Donc par l'imposition des mains, acte chapitre 8 verset 17 et acte 19 verset 6. Acte 8 verset 17. Acte 8 verset 17. Bon, je lis à partir du verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, priaient pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. La Bible dit que Pierre et Jean ont prié pour les Samaritains afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Une personne qui est remplie du Saint-Esprit a la capacité de te communiquer ce don.
a la capacité de prier pour toi et tu es également baptisé du Saint-Esprit. Acte chapitre 19, verset 6 que nous avons lu tout à l'heure. Paul qui arrive à Éphèse et qui demande aux chrétiens s'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, disent qu'on n'a même pas entendu parler qu'il y avait un Saint-Esprit. Pardon. On n'a même pas entendu parler qu'il y avait un Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Paul a imposé les mains à ses 12 frères. Ils ont commencé à parler en langue et à prophétiser. Ça veut dire que si j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit et que je suis rempli de l'Esprit, je peux t'imposer les mains et tu commences à parler en langue et à prophétiser également. C'est ce qu'on appelle l'impactation. Gloire à Dieu. C'est ce qu'on appelle l'impactation, la communication d'une grâce spirituelle à un individu. Donc par l'imposition des mains, on peut être baptisé du Saint-Esprit. Parfois, ce qu'on faisait, c'est quoi? C'est que lorsque, ça c'était à l'église, parfois ce qu'on faisait, c'est quoi? Lorsqu'on priait afin que les gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit, lorsque des frères étaient baptisés du Saint-Esprit et commençaient à parler en langue, on faisait des chaînes. Ça veut dire que vous tenez par les mains. On prend la main de celui qui n'est pas baptisé, on met dans la main de celui qui vient d'être baptisé. Et pendant qu'il entend parler en langue, c'est comme ça que l'autre également est contaminé par la même grâce. Et ils sont baptisés du Saint-Esprit au même instant. Amen. Ok, il y a une question. D'ici un jour, tu as entendu cette langue dans ton esprit et tu as commencé à parler en langue ce même jour avant que tu sois baptisé dans l'eau. Est-ce normal? Oui, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Écoutez-moi bien. Je dis que Dieu n'est pas mécanique. Amen. Dieu n'est pas mécanique. Il y a quelque chose qu'on doit comprendre, c'est que le baptême du Saint-Esprit peut parfois précéder le baptême des eaux. Ça peut précéder le baptême par immersion. Tu peux avoir reçu Christ. On a parlé du baptême dans le corps hier. Lorsque tu as confessé Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, à l'instant même, tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit. Nous avons été dans les programmes où, lorsqu'on a fini de prêcher, on a lancé l'appel pour ceux qui veulent recevoir Christ dans leur vie. Lorsqu'ils avancent, ils confessent Christ, ils se répandent de leurs péchés. Pendant qu'on prie pour eux, il y en a qui commencent à parler en langue, qui sont baptisés du Saint-Esprit. Et la Bible nous parle du cas de Corneille. Lorsque Pierre est arrivé chez Corneille, la Bible dit que pendant que Pierre était en train de prêcher la parole, ils ont commencé à parler en langue. Ils n'étaient pas encore baptisés. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce qu'on va refuser les eaux du baptême à ceux-là qui ont reçu le même Saint-Esprit que nous? Et les Juifs qui étaient nés de nouveau étaient surpris de savoir que les païens avaient également eu accès au baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc c'est simple. Donc lorsque Pierre arrivait chez Corneille, attends, je cherche dans Acte 10. Amen. Je vais lire cette portion de l'écriture. C'est une histoire que nous connaissons où Pierre était en extase. Dieu lui a. Il y a des animaux impurs qui descendaient sur un tapis. Dieu lui dit tu es mange. Il dit que non, je n'ai jamais rien mangé dessus et tout. Je vais lire Acte chapitre 10. Amen. Acte chapitre 10. Je cherche le verset précisément. Acte chapitre 10. Ok. La Bible dit à partir du verset 44, je lis. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit. Écoutez bien. Ils étaient étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Amen. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. À l'époque, lorsqu'on parlait des païens, il s'agissait des nations qui n'étaient pas juives. Donc, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Verset 47. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Vous voyez que le baptême du Saint-Esprit a précédé le baptême par immersion. Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi il le priait de rester quelques jours après auprès d'eux. Amen. Amen.
c'est tout à fait normal de parler en langue, d'être baptisé du Saint-Esprit avant de passer par les eaux du baptême. Gloire à Dieu. Ok, la neuvième clé, être baptisé du Saint-Esprit. Baptisé du Saint-Esprit. Amen. Être en contact avec la parole ointe. Entrer en contact avec la parole ointe. Donc le contact avec la parole ointe. Le contact avec une prédication ointe. Le contact avec une prédication ointe. Le contact avec une prédication ointe. La Bible dit que nous prenons acte 10. Amen. Donc ta question nous amène introduit au prochain tiret. La Bible dit que pendant que Pierre était en train de prêcher, acte 10, 44, le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui l'écoutaient. Lorsque tu entres en contact avec une prédication puissante, le Saint-Esprit peut descendre sur toi à l'instant même. Tout dépend de ta soif, de la disponibilité de ton esprit et de l'ouverture de ton cœur. Il y a des prédicateurs ici dehors que lorsqu'ils commencent à prêcher la parole, même ta soif, ça te dépasse. C'est difficile de rester assis lorsqu'il attrape le micro avec un bon son. Quand il va lire un verset, il commence à couler dans la révélation. Le Saint-Esprit commence à se mouvoir puissamment dans la salle. Il n'a pas besoin d'imposer les mains aux gens. Il n'a pas besoin de faire le cinéma qu'on voit souvent dans les chaînes de télévision. Non, rien que par la prédication de la parole, l'onction te localise parfois là où tu es assis. Parfois, te met par terre, tu commences, tu es saisi, il y a un feu qui descend sur toi. Amen. Donc, lorsque tu es en contact avec une prédication ou un prédicateur ou un, tu peux être baptisé du Saint-Esprit. Là, il me dit que comme Pierre prononça encore ces mots, Pierre était en train de prêcher dans la maison de Corneille. Corneille a invité ses amis, ses frères, sa famille, ainsi de suite. Pierre était en train de prêcher. Pendant que Pierre prêchait avec le réma, la révélation, avec l'onction, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Les gars ont commencé à parler en langue, ils étaient en train de glorifier Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Donc lorsque tu entres en contact avec un prédicateur qui prêche un véritable message inspiré par le Saint-Esprit, oh my God, je vous assure qu'il y a mouvement de l'Esprit. Pendant qu'il prêche, le Saint-Esprit se meuf et c'est comme ça que les gens sont baptisés. Je me rappelle, j'étais allé à un programme un jour. Je crois que je devais avoir, à l'époque, je devais avoir un truc comme 22 ans. On m'avait invité à un programme. Je suis arrivé, j'ai prêché, c'était juste un seul jour qu'on m'avait donné, une seule soirée. Je vous assure, frère, quand j'ai commencé, le vrai qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont donné, les pipites quand je sortais de la montagne. J'avais fait 90 jours sur la montagne. Quand je suis descendu de là, c'est le jour qu'on me donne le micro qui prêche. Quand j'ai commencé à prêcher ce jour, après 2 minutes de prédication, je ne sais pas ce que j'ai dit en 2 minutes. Après 2 minutes, il dit que toute la salle était par terre. Même le pasteur qui m'a invité, il était au sol. Libaka, Chakalabaya, les gens ont commencé à prophétiser. Il y a des gens qui vomissaient, j'ai même eu peur. J'ai déposé le micro sur le pupitre, je suis allé m'adosser sur le mur, j'ai croisé les bras. J'ai regardé le Saint-Esprit agir, j'ai regardé le Saint-Esprit œuvrer. Donc lorsque tu entres en contact avec la prédication d'un homme qui porte la présence de Dieu et qu'il proclame cette parole avec autorité, puissance, révélation et onction, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit va descendre sur toi. Amen. Dixième chose, être dans l'environnement de la présence de Dieu. Être dans l'atmosphère de la présence de Dieu. Si tu es là, donne-moi un bon amen. Être dans l'atmosphère de la présence de Dieu. L'atmosphère, la présence de Dieu. Amen. Ça peut être pendant la louange. Tu peux être avec des frères et tenter de louer, d'adorer Dieu. Lorsque tu es dans l'atmosphère de la présence, lorsque tu es dans cette atmosphère de la gloire, de la présence de Dieu, que tu as le cœur ouvert et que tu as la soif, je t'assure, mon frère, ma soeur, ça va descendre. Ce n'est pas, je ne sais pas pourquoi on a tellement mystifié ça. C'est quelque chose de très simple, de très facile à recevoir. Amen.
de très facile à recevoir. Très facile. Dès que tu es né de nouveau, tu sais que c'est une promesse de Dieu, tu as la conviction que c'est scripturaire, tu as un cœur pur, tu as la soif, tu soupires, tu as la foi. Mon frère, ma soeur, quand tu es dans l'environnement, il y a une, lorsque tu es dans une atmosphère, il y a mouvance de la présence de Dieu, je t'assure que l'affaire va te localiser. Amen. Amen. Ok, grand 7, les dons spirituels. Grand 7, les dons spirituels. Je ne sais pas pourquoi je ne reçois plus les messages ici. Grand 7, les dons spirituels. Ok, je ne. Amen. Grand 7, les dons spirituels. Donc, il faut être dans une atmosphère de la présence de Dieu. Parfois, lorsque tu es quelque part, vous êtes en train d'adorer le Seigneur, vous chantez des cantiques à la gloire de son nom. Je t'assure que la présence de Dieu te touche. Amen. Il y a pas Oski ici, je me rappelle un jour. Il m'interprétait, n'a pas fini son interprétation. Pendant qu'il était en train de prêcher, l'onction l'a pris là. Bam, il allait tomber sur le canapé, il se rappelle. Avant qu'il ne voyage pour l'Allemagne. Amen. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Ok, c'est pas la question de Sanguini. Nguini. J'ai une question sur le parlant langue. Est-ce normal qu'un serviteur établi depuis des années se mette à parler en langue sans commencer par le Baba du Saint-Esprit? Le Baba du Saint. Attends, j'aime le comprendre. Est-ce normal qu'un serviteur établi depuis des années se mette à parler en langue sans commencer par le Baba du Saint-Esprit? Oui, c'est normal. Nous allons voir ça dans les dons spirituels, là, d'accord? On va définir les dons, on va établir la différence entre les dons et les fruits de l'esprit. Et ensuite, on va étudier le don de langue et que je vais répondre clairement à ta question. Amen. Donc, c'est possible. C'est possible. Parce que parfois, le baptême du Saint-Esprit, vous avez vu dans Actes chapitre 19 que nous avons lu, que ceux à qui Paul a imposé les mains, ils ont parlé en langue et ils ont prophétisé. Il y a des moments où le parler en langue vient avec le don. Donc, le jour où tu es baptisé du Saint-Esprit, le jour-là, donc le baptême du Saint-Esprit vient parfois avec un don dans la vie de certaines personnes. Il y a des personnes que c'est le jour où tu as reçu le baptême du Saint-Esprit que le don de prophétie est également descendu. Si le jour où ce pasteur a reçu le baptême du Saint-Esprit et qu'il a également reçu le don de la diversité des langues, il peut parler en langue sans faire les ba-ba-ba-ba-ba. Parce que la diversité des langues est différente du parler en langue initiale. On va voir tout ça tout à l'heure. Amen. Grand 6, les dons spirituels. Les dons spirituels. Les dons spirituels, nous écrivons, il nous reste 17 minutes, ok. Du grec charisma, charisma entre guillemets. Grand 7, les dons spirituels. Du grec charisma. Du grec charisma. Du grec charisma. Donc, lorsqu'on parle de charisma, on parle de don. On parle d'une grâce que Dieu accorde à quelqu'un. Amen. Du grec charisma, c'est une grâce spirituelle. C'est une grâce spirituelle qui permet à un croyant pour prendre les définitions, je vais donner 5 définitions. Du grec charisma, c'est une grâce spirituelle. Lorsqu'on parle d'un don, c'est une grâce spirituelle.
C'est une grâce spirituelle accordée à un croyant d'opérer dans le surnaturel pour l'utilité commune. C'est une grâce spirituelle accordée à un croyant ou à un chrétien d'opérer dans le surnaturel pour l'utilité commune. C'est une grâce spirituelle accordée à un croyant d'opérer dans le surnaturel pour l'utilité commune. Donc, grand c'est les dons spirituels. Petit 1 définition, je vous en prie. Petit 1 définition. Donc, du grec charisma, c'est une grâce spirituelle qui permet à un croyant d'opérer dans le surnaturel pour l'utilité commune. Deuxième définition, deuxième tiret. Deuxième définition. Donc, après grand c'est les dons spirituels, mettez petit 1 définition. Ok, ce sont des capacités surnaturelles. Ce sont des capacités surnaturelles. Lorsqu'on parle de dons spirituels, il s'agit des capacités surnaturelles que le Saint-Esprit attribue à un croyant pour accomplir une œuvre. Ce sont des capacités surnaturelles que le Saint-Esprit attribue à un croyant pour accomplir une œuvre. Ce sont des capacités surnaturelles que le Saint-Esprit attribue à un croyant pour accomplir une œuvre. Point virgule. Prochaine définition. Ce sont des capacités surnaturelles que le Saint-Esprit attribue à un croyant pour accomplir une œuvre. Prochaine définition. C'est un dépôt du divin dans l'humain. Lorsqu'on parle du don, des dons spirituels, c'est un dépôt du divin dans l'humain pour la missionner. Ceux qui ont fait le premier cours savent de quoi il s'agit, la missionner. C'est un dépôt du divin dans l'humain pour la missionner. C'est un dépôt du divin dans l'humain pour la missionner. Le don est un dépôt du divin dans l'humain pour la missionner. Amen. Prochaine définition, la quatrième je crois. Je dis que je donne cinq définitions. Donc, c'est un dépôt du divin dans l'humain pour la mission D, la mission divine. Amen. C'est quoi le don spirituel? C'est un trésor spirituel du ciel. C'est un trésor spirituel du ciel. C'est un trésor spirituel du ciel qui fait de toi une personne surnaturelle sur terre. C'est un trésor spirituel du ciel qui fait de toi une personne surnaturelle sur terre. Ça dit que dès le jour où tu reçois un don spirituel, dès le jour où tu reçois ce trésor spirituel, tu cesses de vivre dans l'ordinaire et le naturel et tu entres dans le règne de l'extraordinaire du surnaturel. Amen. Donc c'est un trésor spirituel du ciel qui fait de toi une personne surnaturelle sur terre. Amen. Dernière définition.
C'est une habileté surnaturelle. C'est une habileté surnaturelle. C'est une habileté surnaturelle. C'est une habileté surnaturelle donnée à un homme C'est une habileté surnaturelle donnée à un homme pour créer un impact dans sa génération. C'est une habileté surnaturelle donnée à un homme pour créer un impact dans sa génération. Petit 2. Quelques points clés sur les dons spirituels. Petit 2. Quelques points clés sur les dons spirituels. Premier tiret. Donc nous sommes dans 1 Corinthiens 12. Je vous exhorte à lire 1 Corinthiens 12. Donc nous lisons le livre des Actes des Apôtres. 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 14. Amen. Durant cette semaine. Quelques points clés sur les dons spirituels. Premier tiret, c'est le Saint-Esprit qui attribue les dons. C'est le Saint-Esprit qui attribue les dons. C'est le Saint-Esprit qui attribue les dons. Donc nous avons défini les dons. C'est la manifestation de l'Esprit pour l'utilité commune. La Bible dit, il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Amen. Verset 11, je lis le verset 11 de 1 Corinthiens 12, il est écrit, « Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Donc c'est le Saint-Esprit qui distribue les dons comme il veut. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas envier l'autre. Tu ne dois pas jalouser l'autre. Le Saint-Esprit peut juger mieux de te donner le don de prophétie. Alors qu'il va donner le don de guérison. Si toi par exemple tu commences à jalouser celui qui a le don de prophétie, mon frère c'est qu'il y a un problème. Si peut-être ton frère commence à opérer dans la guérison. Il reçoit dans nos guérisons, il prie pour les malades, il prie pour les carceries, il prie pour les sidéniens, il prie pour les stériles, les miracles se produisent. Contente-toi de ce que le Saint-Esprit t'a donné. Quelle que soit la nature du don que tu as reçu, ton don t'a été donné pour l'utilité commune. Tu n'es en compétition avec personne. À l'église, il y a des personnes qui ne sont pas malades mais qui ont besoin d'une prophétie. Il y a des gens qui ne sont pas malades, mais qui ont besoin d'une direction divine par la parole de connaissance. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de prophétie, mais qui ont un problème sérieux de maladie. Et ils ont besoin de la manifestation d'un don de guérison. Donc, nous sommes complémentaires dans les dons. Nous sommes complémentaires. À Kenneth, Dieu peut donner la parole de connaissance. À Maël, Dieu peut donner le don de guérison. À Nathalie, Dieu peut donner un don de foi. À Denis Descartes, Dieu peut donner d'opérer les miracles. À Patricia, Dieu peut donner l'interprétation des langues. Et lorsque nous nous réunissons et que nous décidons de mettre nos dons en valeur, lorsque nous décidons de les utiliser, c'est le corps de Christ qui est édifié. C'est l'Église qui est édifiée. Mais de nos jours, ce qui se passe, que lorsque un frère manifeste ce que tu ne manifestes pas, tu commences à prêcher contre lui. Lorsque un homme de Dieu coule dans une grâce que tu n'as pas, tu commences à condamner son ministère.
Tu commences à condamner les prophètes, tu dis que ce n'est pas important. Il y a pas, il y a les pasteurs frustrés ici dehors. Tellement frustrés. Tellement frustrés. Si vous voyez par exemple comment nous on fait les directs, et qu'à la fin du direct, il y a 2000 vues, 3000 vues, 4000 vues, c'est le manque. Mais attends, les types, si, ils n'ont même pas encore commencé le ministère, comment est-ce qu'ils font, machin et tout. Qu'est-ce qu'il va faire dimanche? Les gens qui aiment les prophéties là, hein, vraiment machin et tout. Ce que Dieu nous a donné, c'est la parole. C'est la parole. Nous, dans le ministère de la parole, c'est la parole qui va vous sauver. Ce n'est pas la prophétie. On commence à prêcher contre le ministère prophétique. On commence à prêcher contre le don de prophétie. Écoutez-moi très bien. Le fait d'enseigner la parole, le fait de prêcher la parole ne veut pas dire que tu n'es pas appelé à couler dans les dons. Il faut apprendre à équilibrer les deux. Le ministère, c'est la combinaison de l'enseignement et de la puissance de Dieu. Si tu es seulement enseignement, prédication, prédication, et qu'il n'y a pas la puissance, ton ministère est handicapé, tu es spirituellement boiteux. Si tu as également la puissance, la puissance, la puissance, et que tu n'as pas la parole, c'est qu'il y a un problème. Tu auras des chrétiens déformés, ils auront le kwashiorkor, le marasme spirituel. Ça veut dire qu'un homme de Dieu doit chercher à équilibrer son ministère. Ça veut dire que lorsqu'on te touche dans le domaine de la parole, tu es assis, tu es calé. Lorsqu'il faut enseigner, tu enseignes. Au point, parfois tu enseignes au point que quelqu'un a l'impression qu'on a en train d'ouvrir sa tête pour mettre la parole dedans. Lorsqu'il faut prêcher, tu prêches avec onction et puissance. Lorsqu'il faut prophétiser, démontrer la puissance, tu es également là. Je t'assure que lorsque tu travailles ces domaines dans ton ministère, toi-même tu vas voir l'impact que tu vas créer dans ta génération. Amen. On commence à dire que les gens qui courent après les miracles là, les gens qui courent après les miracles là, ils courent après les miracles. Oh oui, courent après les miracles. Cherchez la parole, frère, cherchez la parole. On va se cacher dans quoi? Dans la parole. On va se consoler dans la parole. Amen. Donc c'est le Saint-Esprit qui attribue les dons. Ce n'est pas un homme. Je me rappelle, il y a de cela, ça peut faire 8 ans aujourd'hui. Je devais rendre ministère quelque part. Je devais rendre ministère quelque part. Et vous savez ce qui s'est passé? Il y a une femme, je vous assure, il y a des tentations terribles dans le ministère. Il y a une femme qui est venue me voir. Et elle, cette femme est venue me voir et elle m'a proposé 3 millions. C'est maintenant que même ce témoin, je me réviens. Elle m'a proposé 3 millions. Et vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit, s'il te plaît, prophète, que nous tous, dans cette assemblée, dans ce ministère, on sait que tu es un vrai prophète de Dieu. Et que quand le Seigneur parle par ta bouche, donc pardon, s'il te plaît, voici 3 millions. C'est ce que la dame me dit. Elle dit que quand tu vas commencer à prophétiser, s'il te plaît, j'aimerais que tu prophétises sur moi en disant que je suis une prophétesse de l'Éternel, que je suis une prophétesse des nations et que le Seigneur va m'utiliser dans tel nombre de pays et que tu pries pour moi pour que tel don et tel don se manifeste. Imaginez-vous que quelqu'un vient vous voir avec 3 millions et vous demande de prophétiser comme ça sur le pupitre, sur l'autel de Dieu. Donc je t'ai dépassé, dit mais attends, il y a quoi de spécial lorsqu'on va dire devant le monde que tu es prophétesse, tu as le don de prophétie, ainsi de suite. Quand j'ai trouvé ça très logique, je suis allé voir son pasteur, le pasteur qui m'a invité. Et je lui ai dit qu'il y a une servante dans ton église qui est venue me voir. Et voici ce qu'elle m'a raconté. Voici ce qu'elle m'a raconté. Il y a eu des cas où des gens sont venus me voir. Des sœurs, que pardon, prophétise que tel frère est mon mari. Il y a même des frères qui sont venus me rencontrer. Il y a des frères qui sont venus à des propositions. Quelqu'un vient à 500 000, que pardon, prophète, il y a une sœur que j'ai vue. Donc quand on m'invite, ils viennent me rencontrer, mais c'est une soeur que j'ai vue, elle s'appelle quelle vraiment, machin, machin, tout. Est-ce que tu peux, machin, prophétiser que c'est la volonté de Dieu, machin, machin, tout. Je vous dis la vérité. On rencontre ça dans le ministère. Un frère, tu as vu une soeur, tu as vu une de mes filles, ton cœur est parti, tu vois comment elle est belle, machin, tu sais que si tu pars de toi-même, là, on va te barrer, paille, paille, comme je dis souvent, on va te donner le matos, ça te dit que non, comment faire pour récupérer la fille ici? Quand je sais un peu de voir, je vois peut-être qu'il y a un footballeur à côté. Je vois qu'il y a un grand prophète qui l'avait. Je vois que, mais là, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avoir? Ok, on voit le prophète. Il faut que le prophète prophétise. Il faut une bouche autorisée pour venir dire que c'est ton mari et tout, 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 tout. Et voilà. Amen. Donc, c'est le Saint-Esprit qui attribue les dons comme il veut. Comme il veut. Et lorsque le Saint-Esprit veut t'attribuer le don, le Saint-Esprit vérifie d'abord les motivations de ton cœur.
Qu'est-ce qui te motive à vouloir un don? Qu'est-ce qui te motive à vouloir le don des prophéties? Pourquoi est-ce que tu veux le don des guérisons? Pourquoi tu veux la parole de connaissance? Pourquoi tu veux le don du discernement des esprits? Lorsque nous étions à l'université, il y a une soeur qui était venue me voir. Elle m'a dit, homme de Dieu, je veux le don du discernement des esprits. Elle a dit qu'elle a pris 3 jours de jeûne à 7 pour demander ce don à Dieu. Et la question que le Saint-Esprit m'a demandé de lui poser, c'est pourquoi tu veux ce don? Je lui ai demandé, soeur, pourquoi tu veux le don du discernement des esprits? Elle dit que c'est parce qu'il y a tellement de frères qui me draguent. Okay. Il y a tellement de frères qui me draguent. Et vraiment, de tous ces frères-là, il me faut le discernement des esprits pour savoir qui est mon mari. Je lui ai dit que, soeur, tu es dans l'erreur. Parce que tu ne comprends ni l'écriture ni la puissance de Dieu. Il lui dit, est-ce que tu sais que comme tu demandes le discernement des esprits, tu vas commencer à voir les démons? Est-ce que tu sais que tu vas commencer à voir les démons physiquement aussi? Ceux qui disent qu'ils veulent le discernement des esprits, on va voir ça. Qu'il y a une différence entre l'esprit de discernement et le don du discernement. Quand on parle du don de discernement sur le monde des esprits, tu vas commencer à voir les sorciers se promener. Parfois, tu vois les fantômes. Il y a des moments où je marche, mes yeux s'ouvrent, je vois les fantômes en train de marcher en route. Le discernement des esprits, il dit que voici ce qui va se produire. Elle a dit que non, ça, je ne veux plus. Elle a dit, Seigneur, j'annule ce que je t'ai demandé pendant les 3 jours-là. Parce que tu commences à voir les esprits. Amen. Deuxième tiret, chaque chrétien a au moins un don. Chaque chrétien a au moins un don. Amen. Chaque chrétien a au moins un don. Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Quelqu'un m'avait dit un jour que ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans, je me rappelle bien. Quelqu'un m'avait dit que si j'ai seulement 5% de ce que tu manifestes là, je crée mes églises. Si j'ai seulement, il dit que tu ne vas donc pas créer tes églises. Tu ne vas donc pas créer tes églises. Amen. Je me rappelle, il y avait un colonel qui m'avait vu un jour et qui m'a dit qu'on fasse l'échange. Il me dit qu'on fasse l'échange. Que moi, je deviens le colonel, je lui donne mon manteau de prophète là, qui va aussi voir dans l'esprit. Un programme à l'est, après avoir rendu ministère, les gens ne voulaient même plus rentrer. Maintenant, celui qui est appelé au ministère pastoral dit que vous les voyez, si vraiment vous avez l'habitude de nous nyama, que vous avez l'argent, on vous bénit partout, mais nous les pasteurs, est-ce qu'on nous gère, mais moi aussi, il faut que je commence à voir pour que je sois béni. Est-ce que Dieu peut donc donner un don à quelqu'un sur la base de cette motivation? Que nous les voyons, on a l'avantage, on a les connaissances, on a les relations, nous sommes bénis, les ensemble dans nos vies. Que eux, les pasteurs, là, vraiment, les gèrent pas. Il faut également qu'il ait le don des prophéties. Vous voyez comment la motivation est déjà corrompue. Et lorsque tes motifs ne sont pas purs, lorsque tu demandes à Dieu pour te faire voir, pour montrer que non, Dieu t'utilise, pour être le top des tops dans ton assemblée, je t'assure que pour devenir riche, pour te faire de l'argent, pour avoir des connexions, je t'assure que tu vas gêner pendant 1 an, 2 ans, tu vas même gêner pendant 50 ans. Le don ne va jamais descendre. Amen. Donc, chaque chrétien a au moins un don. Matthieu chapitre 19, la Bible parle de la parabole des mines, la parabole des talents. Comment est-ce qu'un roi devait voyager, il a appelé ses serviteurs, à un autre il a donné 10 talents, à un autre il a donné 5 talents, à l'autre il a donné 1 talent. Donc chaque chrétien a au moins un don. Amen. Ok, troisième tiret, nous écrivons rapidement. Troisième tiret. L'appel et les dons de Dieu sont irrévocables. L'appel et les dons de Dieu sont irrévocables. L'appel et les dons de Dieu sont irrévocables. Ça veut dire que lorsque Dieu t'a appelé au ministère, lorsque Dieu, le Saint-Esprit, t'a attribué un don, il ne reprend plus le don. Amen. Dieu ne reprend plus le don. Donc l'appel et les dons de Dieu sont irrévocables. Prochain tiret. Le don est donné pour l'utilité commune. Le don est donné pour l'utilité commune. Ah, my father, je vais vous dire quelque chose. Le don spirituel ne remplace pas ta relation avec Dieu. Le don spirituel ne remplace pas ton intimité avec le Seigneur. Je vais choquer quelques personnes. Donc, le don est donné pour l'utilité commune. Le don n'est pas pour toi-même.
C'est la raison pour laquelle tu peux avoir le don de guérison et être malade. Tu peux avoir le don de guérison et avoir une maladie dans ton corps. Mais quelqu'un vient à toi. Quelqu'un a la même maladie que tu as. Même étant malade, tu pries pour la personne reçoit la guérison, mais toi tu es couché. En tant que prophète, ou ceux qui ont le don de prophétie des paroles de connaissance, le don de prophétie que tu as reçu de Dieu n'est pas pour toi-même. La plupart des choses que je vois concernant ma vie, ce n'est pas sur la base du don que j'ai reçu. C'est sur la base de ma relation avec Dieu. Lorsqu'il faut que Dieu parle aux hommes, Dieu va passer par mon don. Mais lorsqu'il faut que Dieu me parle, Dieu passe par mon intimité avec lui. Parce que le don ne m'a pas été donné pour me rendre ministère moi-même. Le don m'a été donné pour te rendre ministère. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que la plupart des hommes de Dieu qui ont eu des problèmes dans leur vie sentimentale sont les prophètes. La plupart des hommes de Dieu qui ont eu une fiancée, deux fiancées, trois fiancées, quatre fiancées, parfois il y en a même qui ont jusqu'à 10 fiancées, ce sont les prophètes. Mais un prophète est capable de te scanner en une fraction de seconde et il voit ton mari, il voit ta femme. Mais lorsqu'il faut faire lui-même son propre choix, ça devient difficile. Parce que son onction prophétique ne va pas travailler pour lui-même. Mais c'est sur sa base de sa relation avec Dieu que Dieu va lui montrer sa femme. C'est pour cela que quelqu'un qui a un don spécifique peut te faire sortir d'une situation dans laquelle lui-même il se trouve. Ah. Amen. Donc tu peux faire sortir quelqu'un d'une situation dans laquelle toi-même tu te trouves. Ça veut dire que tu peux avoir un don de foi. Tu peux avoir un don de foi lorsqu'il y a un problème à l'église. Lorsqu'il y a un problème dans la famille, dans ton lieu de service, tu te lèves, tu es saisi par l'esprit. Tu dis que non, demain à 7h, le problème sera résolu. Tu fais une déclaration de foi poussée par le Saint-Esprit. Mais quand toi-même, tes propres problèmes vont commencer, lorsque la maladie va s'inviter dans ton corps, lorsqu'il y aura une situation dans ton lieu de service, toi qui as libéré quelqu'un d'une situation compliquée hier, un problème t'arrive, tu commences à pleurer. Oh Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Seigneur, pourquoi moi? J'ai fait quoi pour mériter ça? Oh Seigneur, tu es incapable de manifester le don de foi que tu as manifesté pour libérer quelqu'un d'une situation hier. Quelqu'un est venu te voir que mes papiers sont bloqués. S'il te plaît, prie, machin, tu te lèves. Au nom de l'Éternel, si je suis servant de Dieu, si je suis serviteur de Dieu, si je suis enfant de Dieu, avant 15h, ton problème sera résolu. 14h45, 14h50, la personne arrive. Ah, Arnold, ce que tu as déclaré là, Nathalie, maman Maëlle, wow, mes papiers ont été libérés. J'ai eu telle chose, j'ai eu le visage, la nationalité, machin et tout. Mais maintenant, toi-même, lorsque ta part va commencer à traîner, tu vas commencer. Papa prophète, daddy, oh, ça a cru sur ta fille, à quoi, ça ne va pas. Pourquoi Dieu me fait ça? Avec toutes les semences, avec tous les sacrifices, papa, avec toutes les prophéties là, comment Dieu me fait ça? Si les gens n'ont pour que tu ailles à prier, te voient. En train de pleurer comme si on dit que, hey, qu'est-ce qui arrive à la femme-ci? C'est pour cela que plusieurs personnes pensent parfois que quand Dieu t'utilise pour te sortir d'une situation, ça veut dire que la personne est un héros. Ça veut dire que la personne ne peut pas traverser sur la situation. C'est faux. Ce n'est pas parce que Dieu m'a utilisé pour te débloquer d'une situation que moi, cette situation ne peut pas m'arriver. Donc, je peux, à travers mon don, te faire sortir d'une situation dans laquelle moi-même je me trouve. Amen. C'est pour cela que parfois, un homme de Dieu va déclarer miracle money. Je release miracle money. L'argent commence à apparaître dans ton compte. Les bénédictions commencent à fluer de toutes parts. Mais quand l'homme de Dieu même a un problème financier, il va venir dire qu'il faut que l'église contribue. Parce que le don là, d'opérer les miracles financiers, ce n'est pas pour lui, c'est pour le peuple que Dieu lui a donné.
C'est pour cela que certains qui n'ont pas compris vont commencer à condamner les hommes de Dieu. Ah, s'il dit vraiment qu'il a le don pour faire apparaître l'argent, pourquoi lui-même ne prie pas pour ses besoins? Pourquoi il ne prie pas pour sa maison? Non, Dieu a donné le don, c'est pour les autres. Donc ton don n'est pas pour toi. Quand Dieu te donne un don, c'est pour que tu sois un serviteur. C'est pour que tu sois un servant. Le don ne vient pas pour nous rendre stars. Ça ne vient pas pour nous rendre supérieurs aux autres chrétiens. Que comme moi j'ai le don de guérison, je ne suis pas n'importe qui. Hein? Tu viens, tu t'assois là. Non, le don ne fait pas de toi un être plus spirituel que les autres. Ce n'est pas parce que tu as un don spirituel que tu es plus mature que les autres. La présence d'un don ne te rend pas plus mature qu'un frère. Tu peux avoir un don spirituel et être immature spirituellement. Amen. Donc l'appel et les dons de Dieu sont irrévocables. Amen. Le don est donné pour l'utilité commune. Prochain tirage, nous n'avons pas tous les mêmes dons. Nous n'avons pas tous les mêmes dons, mais nous sommes complémentaires. Nous n'avons pas tous les mêmes dons, mais nous sommes complémentaires. Alléluia. Nous n'avons pas tous les mêmes dons, mais nous sommes complémentaires. Je me rappelle, j'avais un ami que Dieu utilisait puissamment dans le don des guérisons. Puissamment dans le don des guérisons. Lorsque les deux premiers dons que j'ai découverts, c'était d'abord la parole de connaissance et le discernement des esprits. Et le premier don qu'il a commencé à manifester, c'était le don des guérisons. Un jour, nous étions en train de prier. Nous étions en train de prier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'on priait, j'ai dit, le Seigneur me transporte à l'université. Et dans l'université, je vois une mini-cité qui s'appelle telle. Je lui ai dit que je vois une mini-cité, on tente de prier à deux. Je vois une mini-cité qui s'appelle telle. Et dans la chambre numéro 12 de cette mini-cité, il y a un étudiant qui fait droit, deuxième année, qui s'appelle telle, qui souffre de telle maladie alors qu'il doit composer demain. Dieu nous envoie là-bas prier pour lui. Nous sommes arrivés. Je vous assure que moi-même, j'avais eu peur de cette prophétie. J'avais eu peur de cette prophétie. Nous sommes arrivés. On s'est renseigné et exactement, il y avait une mini-cité qui portait ce nom. Nous sommes arrivés au niveau de la chambre 12. On a toqué et le gars est sorti. On a demandé qu'on cherche un certain Pierre. Il s'appelait Pierre. Et il est sorti, il a dit que justement, celui qui a dit, Pierre, Jésus nous a envoyé chez toi prier parce que tu dois composer demain et tu es malade. Il a dit, waouh, comment vous avez su, comment. Lorsqu'il fallait prier pour lui, moi, je me suis retiré. J'ai dit, c'est toi qui as le don de guérison, rends le ministère. C'est comme ça que le frère lui a imposé les mains, il a prié pour lui et nous l'avons conduit au Seigneur. Et c'est ce qu'on appelle la complémentarité dans le ministère. Mais il y a des gens qui veulent tout faire seul, ils croient qu'ils ont toutes les grâces. Non, nous sommes complémentaires. Amen. Ok, petit 3, on va s'arrêter ici. Est-ce qu'il y a une question? Oui, oui, un homme de Dieu peut devenir amer. Quand il prie, les autres reçoivent et lui pleure, justement. Justement. Donc le don est donné pour l'utilité commune. Dernier tiret, un don travaillé peut devenir un ministère. Un don travaillé peut devenir un ministère. Est-ce qu'on comprend ça? Est-ce qu'il y a des questions? Je vais prendre deux questions. Un don travaillé peut devenir un ministère. Nous allons voir le but des dons spirituels. Afin d'en faire mieux usage, les buts des dons spirituels. Et nous allons voir la différence qu'il y a entre les dons et le fruit de l'esprit. Amen. Ensuite, nous allons toucher les dons complémentaires. Alléluia. Nous allons voir les 9 dons charismatiques. Je crois que. Elle dit non aux parents, lance. Donc, on peut avoir un don et ne pas faire ministère. Ok, je vous explique. Merci pour la question, Sandrine, sois bénie. Le don ne veut pas dire qu'on a été appelé au ministère. Tu peux avoir le don de prophétie, mais cela ne fait pas de toi un prophète. Amen.
Tu peux avoir le don de prophétie, mais cela ne fait pas de toi un prophète. Tu peux avoir le don de guérison, mais cela ne fait pas de toi un évangéliste. Est-ce qu'on comprend ça? Donc ce n'est pas parce qu'on a reçu un don qu'on a été appelé au ministère. Le don est attribué par le Saint-Esprit pour l'édification de l'Église. C'est pour édifier l'Église locale, c'est pour édifier ses frères et ses sœurs. Tu peux travailler quelque part et avoir un don. Tu peux être fonctionnaire, travailler, tu as un don de guérison. Que lorsque tu pries pour les malades, ils sont guéris. Mais ça ne veut pas dire que tu as été appelé comme évangéliste. Et c'est le problème de nos jours, c'est que les gens n'arrivent pas à établir la différence entre le don et le ministère. On va voir ça dans ce cours. Les gens n'arrivent pas à établir la différence entre le don et le ministère. Et Dieu me disait, ça fait je crois une semaine, que la plupart de ceux qui se font appeler prophètes, ce sont des personnes qui manifestent seulement les dons prophétiques, mais qui n'arrivent pas à établir la différence entre le don et le ministère. C'est pour cela que lorsque plusieurs commencent, après un an, le ministère s'arrête, après quelques temps, ça s'arrête. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été appelés à un ministère, ils ont simplement reçu un don. Un don, c'est une capacité surnaturelle que Dieu t'accorde pour édifier son peuple. Amen. Tu peux recevoir une parole de connaissance. On peut être en train de prier à l'église. On peut être en train d'adorer. Pendant qu'on adore, quelqu'un dit: ainsi parle l'Éternel, mon peuple, je suis au milieu de vous, je suis votre Dieu. Je viens pour vous consoler. J'ai eu vos souffrances, machin et tout. Ça ne fait pas de toi un prophète. Amen. On va voir la différence entre le don et le ministère. Maintenant donc, tu peux travailler le don de façon à ce que le don devienne un ministère. Lorsqu'on dit que le don devient un ministère, ça ne veut pas dire que si tu reçois le don de prophétie, tu travailles jusqu'à devenir prophète. Non. Parce que lorsqu'on parle du ministère, il s'agit d'un appel divin. Il s'agit de la prédestination. Lorsqu'on parle de travail, le don pour que ça devienne un ministère, c'est pourquoi? Parce que la plupart des dons, lorsqu'ils viennent à nous, se manifestent parfois comme des expériences. Ça veut dire, ce n'est pas à tout moment que tu vas voir dans la vie des gens. Ce n'est pas tous les malades que tu vas prier vont recevoir la guérison. Amen. Lorsqu'on parle du don d'opérer les miracles, ça ne veut pas dire que dès que tu fais comme ça, le miracle se passe. Dès que tu fais comme ça, le miracle se passe. Non. Mais maintenant, tu vas travailler le don de façon à ce que le don devienne permanent. De façon à ce que le don devienne un style de vie. Si tu prophétisais par occasion, tu prophétises maintenant de façon à ce que la prophétie et toi fassiez un, que ça devienne permanent. C'est-à-dire que si tu t'es rendu compte que j'ai prié pour telle personne et il y a des témoins de guérison, tu commences maintenant à travailler sur ce don de guérison afin que ça devienne un style de vie. De façon à ce que lorsque quelqu'un vient vers toi, la personne qu'on rencontre la guérison automatiquement. Amen. Et quand on dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète, ça c'est simple. Il s'agit de l'ordre, la bienséance dans l'usage des dons dans l'assemblée locale. Lorsqu'on parle que l'esprit du prophète est soumis au prophète, on va étudier ça. On va étudier tout ça. Amen. Donc, il s'agit de l'ordre de la bienséance dans l'usage des dons au sein de l'assemblée locale. Ça veut dire que si le pasteur est en train de prêcher, il est au pupitre, il est en train de prêcher, pendant qu'il prêche, toi tu commences, rabababababa, mon peuple. Non, ça c'est le désordre. Ça c'est le désordre. Tu ne peux pas commencer à prophétiser pendant que ton pasteur est en train de prêcher. Amen. Ou alors un frère en train de prophétiser, une soeur en train de prophétiser, au moment, c'est de ça que l'apôtre Paul parle. Que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Tu peux avoir reçu un message de Dieu pour le culte. Quand le pasteur te le prêche, tu attends qu'il finisse sa prédication et tu transmets le message. Ou alors tu écris le message sur une feuille, tu envoies au corps des leaders. Et ils vont lire le message que Dieu a pour son peuple. Alléluia. Est-ce que les dons peuvent commencer dans les songes? Oui. Les dons peuvent commencer dans les songes. Bien même.
Quand le prophète Ndefo prêchait le jour de la Pentecôte, j'ai été saisi par une forte sensation de parler en langue et me suis mis à pleurer en même temps. Date, je voulais comprendre. C'est simple, le Saint-Esprit t'a visité. Je dis ici que là, quand tu entres en contact avec une prédication, tu peux être baptisé du Saint-Esprit ou tu peux être saisi par le Saint-Esprit. Généralement, lorsque ça se produit ainsi, ça veut dire que le message, Dieu t'a visité à travers ce message. Ça veut dire que l'Esprit qui était derrière ce message t'a visité. Aussi simple que ça. Comment travailler son don? Nous allons voir cela. Amen. Nous allons voir comment travailler son don. Alléluia. Nous allons voir tout ça. Donc, nous allons étudier les différents dons. Nous allons voir comment reconnaître qu'on a un don spirituel, comment identifier son don et ensuite comment travailler son don. Amen. Nous allons voir tout ça. Donc, comment se fait-il lorsque tu vois, tu te vois opérer dans les rêves, dans les songes, mais physiquement, il n'y a pas la chose. Comment prendre ce qui est dans l'esprit, amener ça dans le physique. Ce sont des dimensions. Amen. Que nous allons étudier par la grâce de Dieu. Alléluia. Petit 3, les buts des dons spirituels. Nous allons nous arrêter ici. Bon. Il y a une question. Peut-on développer un don sans le parler en langue? Non. Il y a une question de Momi. Elle a écrit sur un bout de papier. Peut-on développer un don sans le parler en langue? Non. Le parler en langue est indispensable pour le développement de son don. Amen. Donc, c'est indispensable. Pour développer le don, tu as besoin de beaucoup prier en esprit, beaucoup prier en langue. C'est pour cela que je suis en train d'insister. Et le cri de mon cœur, c'est qu'avant que nous ne terminions ce cours, que tout étudiant de cette école du ministère parle en langue. Amen. Donc, le parler en langue est très dispensable. Il y a 10 clés pour aiguiser son don. Au point où tu deviens tranchant. Vous pouvez avoir le même don, mais votre façon d'opérer est différente. On va dire qu'on a la dimension du frère ici, la dimension de la sœur ici. La dimension de tel, vous avez reçu la parole de connaissance, un frère et une soeur, vous recevez chacun le don de guérison, mais quand ton don de guérison toi commence à se manifester, on voit une autre dimension. Je vais nous donner 10 clés pour perfectionner son don, comment rendre parfait son don. Amen. Au point quand ta part de don se manifeste, même dans les paroles de connaissance, on peut avoir reçu la parole de connaissance, quelqu'un va parler, il va dire, il y a quelqu'un ici qui a mal à la tête. Un autre va te dire que je vois une personne qui a mal à la tête, ça a commencé tel jour, tu cherches au 39, tu es habillé comme ça, Dieu te guérit. Ou alors qu'il y a une différence au niveau des précisions. Il y a une différence au niveau des détails parce que le don a été aiguisé, le don a été travaillé, la personne est devenue tranchante. Le parlant en langue, on le reçoit une seule fois. Dieu dit oui, on le reçoit le parlant en langue une seule fois. Une seule fois. Parfois, lorsque tu as passé plusieurs mois, parfois plusieurs années sans parler en langue, et qu'après, pendant un programme, on prie, tu es saisi par l'esprit, tu te retrouves en train de parler en langue, on appelle ça le renouvellement. Tu as été renouvelé en esprit. Amen. Tu n'as pas été baptisé une seconde fois dans le parler en langue, mais tu as été renouvelé en esprit. Alléluia. Ok, on va... je vais donner un devoir. Il y a à peine 5 personnes qui l'ont fait. Je constate que dans les églises, le parlant en langue est presque identique. Est-ce normal? Oui, c'est normal. C'est normal que dans les églises, le parlant en langue soit identique. C'est normal. Nous allons voir les différents types de parlant en langue. C'est qu'on va étudier les différents types de parlant en langue. Les 3 dimensions du parlant en langue. Et quand nous allons voir la 4e dimension, que tu vas comprendre pourquoi est-ce que quand tu vois dans une église que le parlant en langue est presque identique, sache qu'ils sont au niveau de la cible. Ils sont au niveau 1 du parlant, ce qu'on appelle le parler en langue initial. Le parlant en langue initial. Le parlant en langue, c'est... il y a ce qu'on appelle l'alphabet de l'esprit. De la même manière qu'il y a l'alphabet français, il y a l'alphabet de l'esprit. Il y a des syllabes en langue également. Vous allez vous rendre compte que est-ce que les machines diffèrent. Partout où tu vas aller, tu vas te rendre compte que l'alphabet c'est A, B, C, D, E, F jusqu'à Z. De la même manière, donc c'est comme ça qu'on initie l'enfant au langage. Donc lorsque le parler en langue est identique,
ça veut dire qu'on est en train de vous initier à la prière en esprit. Et lorsque vous êtes initié à la prière en esprit, vous avez presque les mêmes syllabes au début. Baba, me, ne, te, se, ribo, ribana, mana, bebe, te, se, vous apprenez à prier en esprit. Mais lorsque tu commences à grandir dans cette affaire, tes syllabes commencent à changer. On va voir ça prochainement. Alléluia. Ok, j'ai dit que j'ai donné un devoir. Il y a quelques personnes qui l'ont fait. Si les étudiants ne font pas le devoir, moi, je ne vais pas continuer. Amen. Si vous ne faites pas le devoir, moi, je ne veux pas continuer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu seul sait comment je me dépense beaucoup pour m'asseoir et vous donner ces cours. Amen. Comment je suis devant ma machine en train de travailler, machin, tout. Donc, je vais donner un devoir. Voici le devoir de travail que je vous donne à faire pour ce soir. Voici le travail que je vous donne. Taf, travail à faire. 1. Quelle est la différence entre le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu? 1. Différence entre le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. J'attendais ça ce soir. Amen. La différence entre le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. 1. 2. Quelle est la différence entre le don et le talent? La différence entre le don et le talent sur 4 points. Donc sur 4 points, donc 4 niveaux de différence entre le don et le talent. Plusieurs confondent le don et le talent. Quelle est la différence entre le don et le talent? La différence entre les dons et les talents. Troisième question. Quels sont les buts des dons spirituels? 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 Est-ce normal que quand en priant pour l'impactation des mains, la personne dit... Je n'ai pas très bien compris ta question, Laura. Je ne sais pas si il y a un mot que tu as sauté, je ne sais pas trop. Donc, quels sont les buts des dons spirituels? Quatrième, lire. Lire. Le livre des Actes des Apôtres, Actes. Tout le chapitre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, 1 Corinthiens 12. Je veux qu'on commence par lire 1 Corinthiens 12, 13 et 14. Ensuite, le livre des Actes des Apôtres. Amen. 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 14. J'espère que tout le monde a noté. Donc, devoir. Première question, quelle est la différence entre le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu? Deuxième question, quelle est la différence entre les dons spirituels et les talents? Établis la différence sur 4 points. Troisième, quels sont les buts des dons spirituels? Quatrième, lire Actes des Apôtres. 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 14. Écris, vous écrivez les buts des dons spirituels, vous me donnez 5. Ne partez pas raconter, donnez-moi 5 uniquement. Ok, je vais vous communiquer ma boîte mail. Ceux qui veulent envoyer par WhatsApp, vous envoyez par WhatsApp. Ceux qui veulent envoyer par mail, vous envoyez par mail. Amen. Ok, devoir à remettre. Nous sommes quel jour aujourd'hui? Mardi. Samedi. Devoir remettre samedi. Amen. Ok. Je vais vous laisser le soin de choisir si, par rapport à demain mercredi, est-ce que vous voulez qu'on continue avec ce cours demain mercredi ou alors on continue la semaine prochaine, lundi et mardi. À vous de choisir.
Est-ce que vous voulez qu'on continue avec ce cours demain, mercredi, 19h-20h? Ou alors, on continue normalement lundi et mardi. Et mercredi, je fais mon direct sur la page. Lundi, mardi, on peut le direct sur la page, mercredi, samedi. Il faut dire rapidement parce que ce qu'on a encore à voir là, c'est long, hein? C'est beaucoup. C'est beaucoup, je vous dis la vérité. Ce qu'on a encore à voir, on va étudier le même le ministère des guérisons dans ce cours. On va étudier les parlants en langue, l'impact du parlant en langue, les différents types de parlants en langue, l'interprétation des langues, la diversité, comment est-ce qu'on interprète des langues, comment se passe l'interprétation. On va étudier tout ça par le connaissant, le discernement des esprits. On va voir les dons d'opérer les miracles, les dons de foi, les différents types de foi, les différents types de guérisons, les différents types de maladies, comment traiter avec les différents types de maladies. Quelles sont les spécificités du don des guérisons? Amen. On répond au devoir par quel moyen? Vous pouvez, vous saisissez, non, vous m'envoyez soit par WhatsApp, sur mon numéro WhatsApp, ou alors par ma boîte mail. Amen. Votez rapidement, s'il vous plaît. Demain, on fait... On continue avec ce cours ou alors demain on fait un direct sur la page prophète James Gracias. Un direct dans les prédications, prières, prophéties et tout. Choisis, votez rapidement pour que je vois comment m'organiser. On m'y a même dit quoi. Rapidement, Laura, demain. Est-ce que c'est normal que quelqu'un prie pour une autre personne? Bon, nous avons, si tu étais là plus tôt, on a dit que quelqu'un peut prier pour toi et tu es baptisé du Saint-Esprit. On a pris le Acte chapitre 19, verset 6, comment Paul a imposé les mots aux disciples d'Éphèse. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils ont parlé en langue. D'accord? Voilà, donc, mais si on veut déjà commencer à vous apprendre à prier en langue, ce n'est plus le Saint-Esprit, c'est la chair. Si on commence à dire, dit Drababa, Feraka, dit Moko, dit Shakata, dit Kawasaki, dit Nagama. Non, ça, ce n'est plus le paralanga, c'est déjà la chair. Amen, c'est charnel. Et lorsque on introduit le charnel dans l'esprit, on ouvre les portes à l'esprit de divination, ce n'est pas bon. Amen. Ok, j'envoie mon WhatsApp. Ok, on va donc continuer demain avec le cours. Amen. On va continuer demain avec le cours. On va continuer demain avec le cours. Il y a, pendant que je tente d'envoyer le numéro WhatsApp, je tente de guérir la maman d'une soeur ici qui s'appelle Cinda, un truc comme Cinda. Je viens de guérir ta mère des maux de tête et des mal de nerfs chroniques. Je viens de la guérir maintenant. Elle vient d'être guérie au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Ok, nous allons continuer demain, s'il plaît à Dieu. Nous allons continuer demain, s'il plaît à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ok, nous prions. Seigneur, merci pour ce soir. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu pour ta présence parmi nous. Merci mon Dieu,
Nous te disons merci Seigneur, merci mon Dieu. Seigneur, merci pour ce soir. Que ton nom soit exalté et béni au nom souverain et glorieux de Jésus. Merci Saint-Esprit pour le ministère que tu nous as rendu. Et je sais que demain tu nous amèneras davantage dans les profondeurs de la connaissance au nom de Jésus-Christ. Bénis Seigneur ton peuple, bénis les étudiants de cette école, distingue-les dans leur génération et utilise-les puissamment pour révéler Seigneur ton nom et glorifier Seigneur ta personne au nom de Jésus-Christ. Je les déclare bénis ce soir. Je déclare ta faveur dans leur vie au nom souverain et glorieux de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Il y a une guérison que le Seigneur a opérée sur le pied de l'oncle d'une sœur ici. Papa Alphonse, il a fait un accident et jusqu'à présent son pied ne s'est pas rétabli. Son pied ne s'est pas rétabli. C'est même une flèche qu'il a reçue, une flèche de sorcellerie. C'est la raison pour laquelle jusqu'au jour d'aujourd'hui, la blessure, donc ça cicatrise ici, puis ça commence ici. Quand ça veut cicatriser, ça attaque une autre partie du pied. Dieu vient de le guérir maintenant. Dieu vient de le guérir maintenant. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom à tous. Rendez-vous demain, si peut-être à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.